En Somalie, 7 personnes ont été tuées lors d'échanges de tirs entre policiers et militaires. Ce lundi, alors que des dizaines de Somaliens faisaient la queue près d'un camp de déplacés à Afgoy pour obtenir des cartes leur permettant d'obtenir une aide alimentaire, des heurts ont éclaté. Plusieurs personnes sont tuées, y compris des femmes et des enfants. Je me rendais à un camp à côté où des cartes d'alimentation étaient distribuées lorsque des soldats du gouvernement ont ouvert le feu. Ils ont tué mon petit garçon et m'ont blessé à la main. J'ai vu beaucoup de personnes blessées et mortes au sol. Les blessés enregistrés sont conduits à l'hôpital. Cette femme, touchée par des balles, se rappelle le fil de l'événement. Dès que je suis arrivé au camp, il y a eu des coups de feu et j'ai été blessé. Je sais que beaucoup de personnes ont été tuées, mais je ne sais combien. Depuis deux décennies, la Somalie, livrée aux milices de chefs de guerre, gangs criminels et groupes islamistes, est ravagée par la guerre civile.